Les manifestants, les gilets jaunes arrivent place Pigalle, on est dans le 9e arrondissement de la capitale, plusieurs centaines de gilets jaunes, vous les voyez sur ces images, arpentent depuis 2 heures environ les rues du quartier de Montmartre. Montmartre, c'est un quartier historique de la capitale, de petites rues pavées, très étroites, et c'était la stratégie de ces gilets jaunes, de se réunir dans ces petites allées, dans ces petites rues parisiennes afin de donner du fil à retordre aux CRS, aux policiers. Il est ici impossible pour un camion de CRS, par exemple, de suivre actuellement ces gilets jaunes. Et puis, vous l'avez dit, la stratégie était différente puisqu'ils se sont donné rendez-vous un peu plus tôt dans la journée au pied du Sacré-Cœur, de la basilique du Sacré-Cœur, un lieu très touristique à Paris. Sans, vous l'avez dit, ils ont répondu à l'appel d'Éric Drouet, l'une des figures de ce mouvement. Tous sont arrivés sans gilets jaunes qu'ils avaient camouflés dans leur sac ou sous leur veste. Et puis, lorsqu'ils ont été suffisamment nombreux au pied du Sacré-Cœur, et bien comme un seul homme, ils ont sorti leur gilet jaune. Et puis, depuis, eh bien, ils sont très mobiles, se baladent dans les rues de la capitale. Une stratégie qui semble payante pour le moment, puisqu'il est très compliqué pour les forces de l'ordre, pour les policiers, de suivre ces gilets jaunes.